Séance qui était suspendue mardi 1er mars 2016 là dans cadre procès Clifford Brandt là reprend dans matinée mercredi 2 mars là sous fond discussion entre diverses parties qui engagées dans procès là. Si c'était si toute présentation pièce à conviction qui était doit faite pendant audience mercredi là, c'est pas ça avocat conseil défense là en particulier maître Gassan cap défendre accusé Sarah Jane Jean tap défendre comme position. Au contraire, il fait requête devant tribunal là pour demander ancien secrétaire d'État sécurité publique là, Reginald Delva, pour le paraître une fois encore devant tribunal là, mais à titre de renseignement, puisqu'elle pas une qualité témoin encore dans procès. Honorable magistrat, justement pour pouvoir respecter ce d'avant-dire droit que vous avez rendu, et c'est dans la même lignée que cette décision avant-dire droit, que je pense que le tribunal, que ce sera à bon droit, que le tribunal fera revenir Reginald Delva, même si c'est à titre de renseignement, comme il s'est constitué partie civile, parce que la défense a des questions à poser à Reginald Delva. Souba Payo, avocat ministère public, et avocat qui représente Reginald Delva comme partie civile dans le procès, M. Jacques Oxylus, m'a demandé à un tribunal là pour ne pas approuver des modes de conseil de défense là, qui, selon yo, pas cadré avec ça la loi dit. Monsieur Reginald Delva, tel que représenté par mon organe, est bel et bien parti civil au procès. Il a pris la parole en cette qualité. Il a participé aux audiences. La procédure ne peut pas faire marche arrière. Avançons pour arriver à l'abcès qui doit être crevé parce que la nation attend de nous. Finalement, c'est doyen tribunal criminel là, juge en siège, Jean-Wilner Morin, qui tranchait. Le tribunal, après avoir délibéré, confirme la qualité de la partie civile accordée au sieur Reginald Delva à l'audience du lundi 29 février 2016. L'ordonne de se représenter à l'audience le vendredi 4 mars 2016 à 10h du matin à la diligence du ministère public pour être entendu à titre de renseignement. Après décision juge Jean-Wilner Morin, audience n'était tout suspendue pour mercredi 2 mars là. Tribunal là annoncé reprise séance là pour vendredi 4 mars qu'a venir là, bon 10h matin. C'est pour l'occasion pour ancien ministre intérieur présenter une fois encore devant tribunal là.